Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Baryonyx. On se retrouve pour un tout nouveau let's play sur Ark Scorched Earth. J'avais fini Ark sur The Island. Donc, l'aventure continue sur Scorched Earth. J'ai vu une queue là-bas, c'était quoi? Ah, c'est un par hasard, c'est bon. Donc voilà. Et du coup, c'est un vrai plaisir hein, de revenir sur Ark. C'est un vrai bonheur. Alors. Du coup. Alors j'ai augmenté mon taux de prise d'expérience par. Oui. Ok, voilà. Alors j'ai installé le mode homing pigeon. Hein, j'ai installé le mode homing pigeon, le mode human stack pour stocker 1000 unités dans chaque case au niveau des ressources. J'ai installé aussi le mode Awesome Spyglass qui va me permettre d'obtenir une lunette d'identification beaucoup plus performante. Et le mode Breeding qui va me permettre de pouvoir faire de l'élevage plus facilement que l'élevage standard qui, j'ai compris le principe, mais c'est beaucoup trop long et aléatoire. Je vais mettre 10 ans à avoir les bons dinos, donc c'est pas la peine. Donc voilà. Sinon aussi, je pensais à comment dire ne pas augmenter les statistiques de mes dinosaures sauf le poids et l'énergie parce que j'ai remarqué que dans The Island au bout d'un moment mes dinosaures étaient tellement OP que je craignais que les bugs voilà mais mes dinosaures ne craignaient eux plus rien du tout et là je voudrais qu'il y ait quand même un peu de challenge et si je vois que ça reste équilibré je garde sinon je modifierai les stats d'attaque et de vie en fonction. Mais je vais d'abord essayer comme ça. Alors il y a un point d'eau là. Alors ce que je vais faire dans cet épisode, c'est je vais me faire une petite base en paille, évidemment. Enfin une petite base, une hutte même. Et me crafter tout ce qu'il me faut en... alors, on va supprimer ça. Me crafter tout ce qu'il me faut en pierre pour commencer. Et des vêtements en fibre. Hein, c'est le début. Allez, c'est parti. Hop! On va stocker tout ça. Nickel.
Nickel, nickel. Pour une tente, il faut de la peau et de la soie, j'imagine. Ah non, il faut de la... Ah bah si, il faut de la peau et de la soie. De la pierre et de la peau. Bon, bah, il n'y a pas à chier, hein. Faudra y chercher de la peau. Alors, la soie, je sais qu'il y a des petites plantes là qui en donnent. Et aussi l'élimantria quand on les tue. On va aller chercher ça tout de suite. Voilà. Non, mais vraiment. Voilà. Bah alors, c'est ces plantes-là normalement qui en donnent. Pourquoi ça va pas là? Normalement, les plantes là, elles en donnent. Hein. Pourquoi j'ai reçu aucune soie? Attendez. Normalement, elles en donnent. Bah. Ça a changé, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. Normalement, elles en donnent. Hein. Ah voilà. C'est peut-être parce que je... C'est... Bah non, c'est bon. Je pensais que c'est parce que comme j'étais à main nue, ça arrivait... Ça se récoltait pas aussi facilement, mais en fait non. Peut-être que c'est celles qui sont près de l'eau. Raison pour laquelle je récoltais pas de soie là-haut. Cela va de soi. Hé. Ah bah tenez. Oula, ils sont deux par contre, hein, faut pas déconner. Alors par contre, je vais me faire un lit. J'aimerais me faire un lit pour pouvoir respawn tranquille. Là, c'est quoi qu'il me faut? Bah, il me faut de la peau, dans tous les cas, il me faut de la peau. Hein. Ah, le blème, c'est que... attendez, on va réessayer. Bah non, bah, je comprends pas. Je ne comprends pas, à moins que je récoltais un autre buisson. Ah, j'ai soif. Oh, un petit gerboa. Alors par contre, désolé mon petit. Oh, il est beau en plus en noir et blanc. Oh! Je l'ai assommé. C'est bon. Il se nourrit de baies. C'est super. Alors par contre... Alors j'ai vu... Non. Groupe de créatures, liste d'apprivoisement. Et voilà. Ah bah il est, bah c'est bon. Bah. Elle vient ici. Bon. Eh ben on est un petit pote. On est un petit pote. Voilà, il est là. Il est mignon, hein? Un petit gerboa. Alors par contre, j'ai soif. Il va falloir que je trouve de la flotte. Ah bah là-bas, il y a une limantria. Alors, où est-ce qu'il y a de la flotte? Je vais grimper en hauteur. Parce que là, je suis en train de perdre de la vie, en fait. Hein. Ah, là-bas, il y a de l'eau. Alors, par contre, est-ce que c'est bien fréquenté? C'est ça, le truc. Parce que s'il y a des capros, succus, des baryonyx et tout, ça va pas être la joie. Oh, Gallimimus, ça c'est bien ça, pour débuter. C'est quoi ça? Ah, c'est un... Un Titanomyrma, c'est ça? Ah bah j'ai de la viande du coup. Ah, par contre, faut que j'aille boire, hein. Là j'ai pas le choix. Allez, on va boire. Mais bois! Mais pourquoi tu bois pas? Bah alors. J'ai faim par contre. Bon, je vais attendre pour l'arc. Je vais attendre pour l'arc.
Eh mais c'est vrai que j'ai le cactus au fait, il me donne de l'eau lui. Je suis bête moi. Une limantria, elle est de quel niveau? Niveau 20. Le problème c'est que si je l'attaque, elle va s'envoler. Du coup, il faudrait que je fasse des bolasses. Et pour faire des bolasses, qu'est-ce qu'il faut? Eh ben, il faut de la peau. Alors du coup... Non, je vais pas l'attaquer. Je vais pas l'attaquer. Le problème, c'est que soit les animaux sont trop forts, soit je peux les tuer, mais ils sont hyper rapides. Du coup, j'aurai jamais le temps de les rattraper. Ils peuvent même me diriger vers vers du danger. Et ça, c'est pas l'idéal. Oh, ça, c'est intéressant. Ah, ça c'est très très intéressant. Alors je vais pas attaquer le titanosaure, hein, c'est même pas la peine d'y penser. Parce que même avec de l'équipement en fer... Oh c'est un vautour ça. Ça c'est trop, trop intéressant ça pour prendre de la... Merde. Pour prendre de la viande avariée. Oh merde! Oh merde, bon ben... Ça... Bon ça c'est le... Oh mon petit gerboa, il est là. Et viens. Ma petite gerboise. Oh c'est vrai, j'ai oublié ce truc. Eh, hey, tout récupéré. Est-ce que j'ai tout sur moi? Non. Faut que je remette tout. Ok, c'est bon. Et ça, on peut le jeter. Bon, parfait. Bon, j'ai tout récupéré. Alors, où est-ce qu'il y a... T'es niveau combien, toi? 12, je crois. J'ai pas vu. Niveau 16. Ah, mais on peut l'apprivoiser en lui donnant de la viande. Peut-être de la viande avariée, du coup. Attendez. Ah, mais voilà! Et du coup, je peux l'envoyer attaquer. Au lieu de m'emmerder, là. Bah oui. On va attendre. Bon, niveau 16, c'est pas le top, hein, mais c'est mieux que rien. Parfait. Attaque votre si... Non. C'est... Sifflet neutre. Voilà. Faudrait que je me rappelle des touches. Ok. Alors, elle est niveau 16. Et là, t'es niveau combien, toi? Niveau 12. Bah, t'as de quoi attaquer, là. Attendez, c'est quelle touche pour attaquer? Me suivre, un seul. Ça va être ça. Et ne pas bouger. Un seul, ça va être ça. Ne pas bouger, tous, ça va être ça. Et me suivre tous, ça va être ça. Et attaquer ma cible. Mais ça va être ça, voilà. Allez, c'est parti. Bah alors?
À moins que. Autre option. Attaque votre cible, bah oui. Yes! Génial. Bien joué. Ah bah on a de la peau, c'est cool. Et du coup, regardez, on a plein de viande à varier. Elle se met directement à varier dans son inventaire. Du coup, ça permet pour elle de se nourrir. Et nous, pour moi, d'avoir de la viande à varier pour faire des narcotiques. Donc ça va être génial. Alors, qu'est-ce qu'il me fallait, moi? Un lit. Il faut encore de la peau. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est... D'accord. Putain, ça ramasse tout ce que je veux, sauf que... Enfin, ça ramasse tout, sauf ce que je veux. Ah, des titanobois. Alors je peux peut-être essayer d'en tuer un, c'est pas assez rapide pour me... Alors je vais pas tenter le diable. Viens que moi... Vautour. On va essayer de trouver l'autre vautour qui traînait ici, on va l'attaquer. Et ça va nous faire de la peau. Faudra que je configure correctement mes touches pour... comment dire, pour les sifflements passifs, tout ça, parce que là ah ben le voilà. Pourquoi il veut pas? J'ai soif. Yes. Merde. Fallait me laisser la viande. Bon, pardon. Par contre, j'ai soif. Donc il va falloir que j'aille boire. Et voilà, là on a assez de peau. On va augmenter le poids. Parfait. Au niveau, bah voilà. Hop. Et du coup, il me faudrait, ouais, ça aussi comme lit. Alors, il me faudrait de la peau, du bois, des branchages, ok. Allez. Où est la maison? Elle est là. Oh, punaise, des raptors. Au fait, j'y pense, j'ai les cactus qui peuvent me réhydrater normalement. C'était écrit dans la description, peuvent vous réhydrater. Ok. Alors, hop. Tu restes là, toi. Poids. Il est trop mignon. Je peux te prendre avec moi. Tu vas te protéger à l'intérieur. Voilà. Nickel, 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 nickel. Alors. Oui. Je vais le mettre là, là. Ça, je vais le mettre là. Merde, y a plus de place. Bon. On va virer tout ce qui est. Ouais, tout ce qui est. Bouffe là, tout ça, on va le virer, ça aussi pour l'instant. Je vais juste garder ça par contre.
ça. C'est bon. Ouais, par contre, là, je suis en train de crever. Hein. Va falloir que je pense... Comment ça se fait que je peux pas boire, là, que ça me réhydrate pas, les cactus? C'est censé me réhydrater, hein. Bon, je vais essayer de... d'aller boire là où il y a les raptors. Essayer de les passer sans me faire repérer. Parce que, comment dire, l'eau est plus proche là et j'ai pas le temps d'aller jusque à l'autre point d'eau vite. Oh là 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 là. Ça va être un problème la flotte ici, hein. Ça va être un gros gros problème. Ça y est, je suis épuisé. Bah les insectes là, vous remplissez pas vos culs là que je puisse boire ce qu'il y a dedans. Je sais que dit comme ça, ça fait très très bizarre, mais bon. Oh là 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 là. Allez, bois. Voilà. Ça fait du bien. Du métal. Est-ce que j'ai une gourde? Non. Merde. Bon. J'ai gagné un niveau. Hydratation, on va aller jusqu'à 300. Alors, il y a quoi que je pourrais faire, que je pourrais prendre? Celle de Parazor. Ah, l'arc, très important. Très très important, l'arc. Saloir. Stockez vos sels de conservation pour les conserver plus longtemps. Ouais. Un puits. Mais c'est pas mal ça, un puits. Une selle de Morellatops. Ouais. Peut-être Parazor. Ouais, je vais débloquer le Parazor. Et la poche de sang. Pour pouvoir récolter du sang. Et me soigner. En cas de pépin. Alors, est-ce qu'il y a une flèche tranquillisante? Non. Bon. Alors par contre, résistance chaleur moins 5, non, c'est pas intéressant le cuir. Hein. Saloir, on va prendre ça. Hein. On va prendre ça. Alors, bon, j'ai pas le niveau pour le bleu, je crois. Hein. Oh, punaise, merde, cours! Ça va, ils m'ont pas vu. Oh, ah, j'ai eu du bol. Parce que récupérer mes affaires gardées par deux raptors, alors que moi j'ai que dalle, ça va être chaud. Bon bah écoutez, on est pas mal là. C'est quoi ça? Ah, ça c'est un Doidicurus qui est en train de se faire taper dessus. Je pourrais peut-être essayer de tuer un raptor, d'en laisser un survivre, et après, je... Celui qui reste, j'essaie de l'assommer en fait. Ça serait pas mal ça comme truc. Je pense pas que j'ai le niveau pour le beacon, hein. Je vais, la capsule de ravitaillement, je vais voir. Mais ça m'étonnerait que j'ai le niveau. Eh ouais, il faut être niveau 30, je suis loin d'être niveau 30. Là c'est l'alimentria. Bon. Voilà.
Alors là, augmenter le niveau. Ok. Augmenter le poids. Alors, on va stocker. On va stocker ça, ça, ça. Et là, bah, on va mettre la nourriture. Tout ce qui est nourriture, on le met ici. Voilà, hop. Ça met combien de temps avant de pourrir ça? 3 heures. Eh ouais. Alors par contre, je vais garder ça avec moi. Au cas où j'ai besoin d'apprivoiser un animal. Donc voilà. Bon, et du coup, il faut ouais, que je répare ma pioche. Bois, branchage, pierre. Alors, est-ce que j'ai ça ici? Oui. Bois, branchage et pierre. C'est parfait. Voilà. Nickel. Nickel. Au niveau de la peau, est-ce que j'en ai là, de la peau? Oui, au niveau de la... Il en faut combien pour les bolasses? Ils sont là. Ah, cool. Pierre, ah bah voilà. Branchage, fibre, pierre. Normalement, c'est bon. Oui. Je peux en faire une, par contre. Ouais. Il me manque du branchage. Wow, ça se trouve, ça. Ça, on en trouve easy, ça. Voilà. On trouve un arbre, une pioche, et c'est bon. Et du coup, bah on va essayer de s'occuper des raptors là, et puis on va essayer de mettre fin à l'épisode là-dessus. Un arbre comme ça, un arbre du... On va faire un arbre avec une pioche, un arbre avec une hache, comme ça, on récolte à chaque fois. On va pas non plus se concentrer tout le temps sur le même la même ressource. Un coup branchage, un coup bois, amplement suffisant. Alors j'ai faim par contre. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que le cactus est censé nous hydrater et ça le fait pas. J'ai pas l'impression que ça m'hydrate, hein, que... Ouais. J'ai pas l'impression que ça m'hydrate grandement. Ok, alors les bolasses, on peut en faire 6. Allez, c'est parti pour 6. Pour les raptors, il me faudra une massue peut-être. Ouais, mais le blême c'est que... Bon, je vais déjà en tuer un. On va faire ça. Là, il me faut des silex. Et ouais. On va déjà en tuer un. Mon arc. Alors, je vais plutôt mettre ça là, du coup. Oui. Est-ce qu'il y a des fléchettes tranquillisantes? Des flèches tranquillisantes. Est-ce qu'il y en a, là? J'en ai pas. Ah là, pour que je sois niveau 21. Bah, faut que je fasse encore des trucs. Bon, je vais tuer un raptor, déjà. Je vais y avec la lance et le boomerang. Ah, bah le boomerang, ça peut assommer. C'est quoi qui a fait ce bruit? Ah, c'est l'alimenterie, ok. Ils sont là-bas. Alors, du coup... Qu'est-ce que je peux faire? L'arc... L'arc gelé. Ici. Faut que je fasse des pierres maintenant. Des flèches, n'importe quoi. Des pierres. Des flèches. Voilà, là. Bon, bah, on va faire ça. Hein.
Alors, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là-bas. Allez, c'est bientôt fini. Parfait. Alors, je vais essayer de me mettre sur le rocher là-bas. Comme ça, ils pourront pas me rejoindre. Et j'aurai... Par contre, faut que je fasse gaffe. Hein. Et du coup, j'aurai un avantage sur eux. Voilà, ici. Alors... Attention. Oh non. Vas-y. Merde. Ça se passe pas comme prévu. Ah, voilà. Oh, punaise, sans déconner, quoi, franchement. Oh là là. Attendez. Hein? Putain. Ça me décale quand je saute, du coup, ben... ça me décale et du coup, ben, je loupe. Ah, voilà, parfait. Voilà, viens ici. Venez ici. Oh, l'enfoiré. Crève. Ah, il va bientôt mourir. Yes! Très bien. Alors, toi, par contre, je vais essayer de te tamer. Yes! Alors, vite. Non, mais vite. Là, on n'a pas le temps, là. Ça récolte beaucoup de quoi, ça? De peau? Non, moi, il me faut de la viande. Vite, vite, vite. Parfait. Allez, on prend tout, on réfléchira après. Allez, prendre la viande. Nickel. Eh ben voilà! Là, on aura un sacré allié, là. Avec un raptor, là, on aura un sacré allié. Alors, par contre, le truc, c'est qu'il faut qu'il s'apprivoise maintenant. Ça, c'est autre chose. D'autant plus que ça baisse assez rapidement. Du coup, il va falloir que je récolte vite. Oh, des excréments humains, franchement. C'est horrible. Alors, est-ce que tu t'apprivoises? Oh oui, c'est bon. Alors, l'apprivoisement, je vais peut-être... Le taux d'apprivoisement, je vais peut-être le baisser. Je vais voir avec les dinos de haut niveau, mais... Ça me semble un petit peu trop cheaté. Ah bah voilà, j'ai pris de l'huile. J'ai du pétrole. C'est cool. Alors, hydratation. Ok, super. Ah, par contre, il me faudrait une selle de raptor, ça. Hein. C'est pas de donner... Alors ça, oui, je vais prendre, ce sera important. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre d'important? Une boussole? Non. Une marmite suspendue. Parce que je sais qu'on pourra faire un bouillon de cactus... Et, ah, du... Bah oui. Des fondations en bois pour améliorer la base. Et ça aussi, ça, c'est très important. Allez, on y est presque. Ah bah, avec un raptor avec nous, là, ça va être beaucoup plus facile. Hein. Alors, par contre, j'ai faim et j'ai soif. Alors, il y a ce truc, je savais pas... J'ai vu ça dans des let's play d'un youtubeur que j'aime bien, c'est Jack Play, en fait. Et voilà. Et voilà. Et ça permet en fait de marquer vos dinosaures. Comme ça, si vous les perdez... Par exemple là, il est là. Attendez. Mon raptor, il est là. Je vais ici. Je fais... Bah non. Votre tribu n'a vu actuellement... Oh d'accord, bon, j'ai rien dit. Mais normalement, on peut le... Bon, c'est pas grave. En train de suivre Barry. Ah bah oui, viens, suis-moi. Hé. Ah là, on est bien, là. Là, on est bien. Bon, bah finalement, c'est pas si mal que ça. Ça s'est plutôt bien passé. Eh bah écoutez. Je vais rentrer à la... Je vais boire un coup, je vais rentrer à la base. Voilà. Et puis, on va mettre fin à l'épisode. Allez. Direction la base.
Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur Ark Scorched Earth. Prenez soin de vous et ciao tout le monde.